Je veux bien croire que pendant une visite en Eretz Israël, vous avez eu l'occasion de visiter Hebron, Maarat HaMakpela, l'endroit de la tombe de nos patriarches, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, et la communauté de Hebron. Et là, il y a une petite synagogue qui s'appelle la synagogue d'Abraham Avinu. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Eh bien, disons d'abord chapitre 100 de Tehilim, et ensuite, je vais vous raconter l'histoire. Mizmor le soi, vodeur, eminosoi, parchatraï Sarah, donnons de la tzedaka avant Shabbat, et toujours. Et ceci, bien sûr, va nous protéger de tous nos ennemis. Et de plus en plus, nous voyons comme le monde est unifié dans leur haine contre Eretz Israël. Pas rentrer dans les détails, mais cette absurdité de considérer le Premier ministre d'Israël et le ministre de la Défense comme comme des terroristes. Je dis ça dans mes mots, moi c'est ce qu'il veut dire. Altiv, ne faisons pas confiance à votre être humain. Notre support, notre garantie n'est qu'une. Akadosh Baruch. Et donc nous devons nous accrocher avec Dieu. Dieu nous protège. Et en surtout si on a l'artout parmi nous, l'unification au sein du peuple juif, il n'y a rien qui peut nous arriver. Alors revenons à l'histoire de la synagogue qui s'appelle la synagogue d'Avraham Avinu. Est-ce qu'Avraham Avinu a construit une synagogue? Est-ce qu'il a payé le membership? Eh bien, d'abord, l'histoire est la suivante. En 1540, la communauté séfarade, dirigée par le Chacham Malkiel, d'ailleurs, intéressant, il s'appelait Malkiel Ashkenazi, mais c'était la communauté séfarade, ils ont construit cette synagogue, comme je disais, en 1540. Hebron était à ce moment un centre principal de l'étude de la Kabbalah. En 1738, elle a été reconstruite. En 1864, agrandie. Malheureusement, en 1929, après le massacre des Arabes contre la communauté juive qui avait à Hébron à ce moment, cette synagogue est restée vide, détruite en 1948 par les Jordaniens. Finalement, en 1977, elle a été reconstruite et depuis, elle est toujours ouverte. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la synagogue d'Abraham Avinu? Eh bien, il s'avère, je ne sais pas exactement à quelle date, mais il s'avère qu'à un certain moment, la communauté était très petite. Il y avait toujours une présence juive. Mais à un certain moment, il n'y avait pas plus que 9, 10, un petit minyan de juifs qui habitaient là-bas. Et trop souvent, pour les prières, il n'avait pas de minyan. Quand il y avait déjà un minyan de 10, ah, c'était la grande fête. Il s'avère, la veille de Kippour, ils sont 9 personnes. Cherchent à droite et à gauche, pouvaient pas faire des appels et d'envoyer des WhatsApp et des messages par email, etc. Ils n'ont pas réussi à trouver un dixième pour la prière de Yom Kippour. Après la souda de la veille de Kippour, Soudat HaMafseket, la souda de préparation pour Yom Kippour, la communauté, les 9 se réunissent à la synagogue. Ils ont bon compté encore et encore une fois, mais c'est toujours resté 9. Presque le coucher du soleil, temps de dire Kol Nidre, cœur brisé. Le Chazan commence à chanter le Kol Nidre. Il n'y a pas de choix. Sans minyan. Sachant que malheureusement, il n'y aura pas de minyan ce Kippour. Tout à coup, un petit vieux, habillé simplement, un sac sur son dos, rentre à la synagogue et toute l'ambiance a changé. Minyan Baruch Hashem. Et comme ça, ils ont pu prier tout le Kippour avec un minyan. Ils sont tous restés dans la synagogue tout le jour de Kippour, toute la nuit de Kippour, tout le jour de Kippour. Ainsi, ce petit vieux que personne ne connaît. Fini. Le son du chauffard finit Arvit, Abdallah, maintenant c'est le temps de rentrer pour manger le repas d'après Kippour. Chacun veut inviter cet individu. Le Shamash, lui, il a eu l'honneur de l'inviter. Il marche avec lui chez lui,
Mais tout à coup, il remarque qu'il a disparu. Ce petit vieux a disparu. Il le cherche. Pendant des heures, ils l'ont cherché. Où est-ce qu'il a pu disparaître? Ils n'ont pas rien pu faire. Le soir, il rêve. Il voit quelqu'un qui se présente. Je suis Abraham Avinu. C'est moi qui est venu pour vous garantir que vous puissiez avoir Minyan. J'ai vu à quel point vous étiez dérangé par le fait que vous n'aviez pas de Minyan. J'ai décidé de venir participer avec vous. Prions à Kadosh Baruch Hu, qui vient déjà tous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tous nos ancêtres qui reviennent déjà ici, nous allons prier tous ensemble au Beth Amikdash ce Shabbat, Shabbat Shalom.